Hey, salut tout le monde, c'est Arstaller et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur 7 Days to Die. Donc aujourd'hui, épisode plutôt sympathique, n'est-ce pas, parce que nous avons commencé la construction de notre nouvelle base anti-horde. Donc dans un premier temps, ce que je voulais faire, c'était dépenser un petit point en ingénierie, si je pouvais. Et on va voir ça niveau 5, donc normalement ça passe, yes. Pourquoi? Parce que je veux me faire ça. Un groupe électrogène. Et du coup, vu que j'avais réussi à choper des moteurs, je vais pouvoir faire pas mal de petits trucs. Et notamment des petits poteaux électriques et compagnie. On va en faire 8 si on peut. 8 c'est parfait. Et des relais, on va en faire 6. Et des lampes, on va en faire 2. Et des poteaux, est-ce que je peux en refaire 2 2. Paf. Je suis complet, donc, du coup, tac, pin, et voilà. Donc on va aller se faire une nouvelle base, et non, donc ce véhicule-là, en cas où c'est un véhicule que vous ne voyez pas, qui est juste là quand on fait du multijoueur, quand j'ai des abonnés. On va s'installer là, on sera plutôt bien. Donc pour ceux qui regardent un petit peu les lives, ça sera plus ou moins la même base qu'on avait fait sur la série en live. Donc désolé, il n'y aura pas trop de grandes innovations. Donc si je dis pas de bêtises, l'escalier il est sur 3, la rampe sur 1. Donc bon, on va prévoir pile poil pour l'instant et on verra après. Parce que là mine de rien ça va quand même beaucoup creuser. Donc il y a du taf. Et on est parti pour pelleter. Bon, je vous fais tout ça en accéléré coupure compagnie parce que là clairement on va beaucoup creuser. Donc pas intéressant. Fasse 3, donc il faut que je remonte encore de. Voilà. Au niveau de la hauteur, on sera bon. Comme ça, j'ai une hauteur de 3. Ok. Ensuite. Pick-up, ça. Ah, c'est carrément en l'air, mais... Hop. Comme ça. Une chose passe. Oh merde, j'ai raté. Ok. Et là, du coup, ce qui va être un peu relou, c'est que normalement, avec là, j'ai pas de. Ah, bah si. C'est bon.
qu'en fait ce qui presse le plus c'est de faire la structure défensive entre guillemets. Donc une fois que c'est fait après le reste on s'en fout un peu, mais il faut voilà. Moi ce que je veux surtout c'est au moins avoir ma structure défensive, après le reste. Ok. Donc shape, les petits poteaux magiques qu'on apprécie énormément. Et toi du coup, tu seras ici. Ici on fait une deuxième couche. Allez les copains. Je suis là. Double shot. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de tester vraiment cette arme là. Ouais, le shoot est présent quand même. Efficacité de l'arme pas trop. Mais j'aime bien. On va voir ce que ça donne pendant la horde. Si toi t'es sur le deuxième, toi tu seras ici. Tac. On va se mettre en avance. Et voilà, comme ça maintenant. Bim. J'ai pas pu renforcer tout de suite comme ça, moi je peux me balader autour en attendant. Et clairement cette partie là c'est la partie la plus importante de la base, donc faut que ce soit ce qui soit bétonné en premier. Après en quantité de béton je m'inquiète pas, c'est plus le temps de séchage. Parce que vu que là ça va être fait en deux parties, il y aura le béton basique après le béton armé. Je préfère le lancer tout de suite, comme ça au moins je serai sûr que ça sera sec pour la horde. Mais oui, ça que je vous dis en bas, c'est que quand tu mets des structures, ça se met direct en béton armé. Donc tu perds pas de temps. Ok, on va finir de livrer ça. Ce que j'étais en train de dire, c'est que limite à l'avenir, si je vous fous une tourelle. Faudra que je teste. J'ai besoin de faire la base. Profiter pour récupérer tout ce qui est électrique et tout ça. Les ressources sont. Bon, on est large. Hop. Les câbles. C'est bien, continue de faire du ciment. Nourriture, bah c'est bon, c'est pas fou. Ok, donc on peut y retourner. Alors.
Ça c'est bueno, du coup il va juste falloir que je renforce à ce niveau là. Bah voilà, on a pas pris de kit de réparation à ce stade. Voilà, donc c'est ce que je disais, en fait là je vais renforcer un peu les côtés. Tout simplement parce que on va commencer un peu de l'aménagement électrique. Et que bah on va avoir besoin de travailler un peu tout ça quoi. Ok. Je... Ah bah si, je suis con. Je veux dire, on n'a pas grand chose, mais en fait si. Mais de toute façon, en tous les cas, ça me servira à rien pour l'instant, parce que j'ai pas assez de composants. Parce que j'en ai 10. Ça va en faire 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, donc si ça me sert à rien, que je le fasse plus. Ok. Et comme ça... Et... Ok. On va repasser à la poubelle. Hop, comme ça on renforce le sol ici, on va rajouter des petits pout-out. Voilà. Tant que j'y pense, on va renforcer tout ça. Tac tac, on commence à être pas mal, on va pouvoir commencer à installer les défenses. On va se baser sur celle-là. Comme ça, et après le but c'est... Tac. Voilà. Et comme ça, en fait, ça me permet de pouvoir redescendre un petit peu la hauteur. Et des bips. Que j'ai fait de la merde. Parce que celui-là, c'est celui du poteau. Donc j'ai fait du croquis. Donc du coup. On perce pas très près. Ils seront pas droits. C'est parce qu'il y aura plus dérangeant. Sortir le pilier parce que... Hop, voilà, comme ça, ça c'est fait. Si c'est bon, on peut faire mieux. Hop, on va reprendre.
le bloc classique. Ah, ça je le fais, c'est juste pour une bonne chose, c'est que les spiders ils finissent pas mon kikini. Parce que ils avaient tendance à sauter un peu trop haut et du coup ils finissent mon kikini dans la base et ça me saoule un peu. D'ailleurs, je bosse dans le nord alors que j'ai de la lumière. Peut-être falloir que je rallonge un petit peu l'arrière parce que je trouve que c'est un peu juste. Un peu limite. Il est gentil de m'avoir prévenu quand même le petit spider. Très gentil de sa part. Parce que j'aurais peut-être pas pensé à tourner la tête. Non, il m'a prévenu, c'est super gentil. Bon, remerciement, c'était peut-être pas ça. Mais vraiment, je l'ai quand même remercié, c'est plutôt cool. Ok. Je viens de remarquer un truc, c'est que là j'ai une j'ai une base anti-horde carrément trop badass en fait pour la horde que je vais affronter. Voilà, juste la petite réflexion que j'étais en train de me faire à l'instant. Par contre, j'ai complètement oublié de prendre l'outil pour connecter. Ça, c'est plutôt con. Ah bon, je vais juste récupérer des connecteurs. Ah, c'est pas que j'en ai un.
Là j'en ai pas, puis en plus je crois qu'un wire tool ça se fait avec de l'acier, si je dis pas de conneries, ouais. Ok. Voilà. Bon, juste. Ils sont pas très droits, mais c'est pas grave. Ah putain, il manque un petit peu de béton. Ouais, ils partent un peu en diagonale, mais bon, c'est pas grave. Non. Au moins, ils sont là, ils sont à la bonne hauteur, et c'est cool. Tac, 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 tac. Voilà, tout ça c'est bon. J'ai plus de t'alimenter. Sauf à la flemme. Voilà. Ouais, clairement, on est tout bon. Alors, du coup, ce que j'ai dit que je voulais faire par contre, parce que ça me dérange énormément. Ok, c'est ça que je voulais. Ça, là, théoriquement, si j'arrive, je saute. Ok. Bon, bien voilà, les amis, on va donc rester là pour cette petite vidéo. J'espère vraiment que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai quand même assez hâte de tester un petit peu cette base anti-or, parce que bah, ça va être quand même assez sympa. Bon, je pense qu'on va mettre les paramètres au maximum, parce que je trouve que la base est beaucoup trop badass pour la route du 14e jour. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée. Oui, je m'étire en même temps que je vous parle, parce que je suis exténué de cette construction. Donc ouais, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, si c'est le cas comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu, le petit commentaire, on pense bien à s'abonner, vérifiez aussi, des fois que votre abonnement n'est pas disparu, parce que des fois ça peut arriver, pensez à vérifier aussi la petite cloche de notification, et si jamais vous souhaitez me soutenir, comme d'habitude, il y a le petit bouton rejoindre, ou ma petite page Tipeee. Voilà, c'était Airstyler, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou un prochain live, portez-vous bien.